La première photo est celle de l'entrée de l'hôtel. Et la deuxième photo est celle du château de Libarinx. La première photo est celle de l'entrée de l'hôtel. Et la deuxième photo est la photo du château de Libarinx. La première photo est celle de l'entrée de l'hôtel. Et la deuxième photo est la photo du château de Libarinx. Et après, c'est là où moi je vais mettre une goutte de colle. Et on n'y touche pas. Donc, et on fait combien de fléchettes? À peu près une ou deux, on peut en faire. Une, on va en faire, ouais. Ouais. Parce que c'est un peu dur déjà. Tiens, on verra après ça, mon grand. Écoute bien. Là, du coup, on va essayer, nous, de couper, du coup, entre ici et ici. D'accord? Pour après vider la mousse à l'intérieur de manière ultra nickel. Que vraiment, quand on regarde dedans, il y a un joli tube. Et à partir de ce tube-là, on fabriquera la fléchette. Je vous expliquerai comment. Ça veut dire que déjà, pour couper ça, il va falloir qu'on utilise un autre outil. La scie. Tiens, va me chercher une scie. On pourra le faire nous-mêmes pour la scie. Oui, vous allez le faire vous-même. Alors, on va essayer. Ouais. Alors, du coup, écoutez, la scie, c'est un outil, ça veut dire que c'est pas un jouet. Et la scie, là, ça, c'est des scies à métaux. Ça veut dire que si je fais ça sur ma main, et on va tirer le petit brin là, doucement, tout en essayant de garder le rond. Pour arriver à peu près à la taille du plateau qu'on va faire. D'accord ? Une fois qu'on est à peu près arrivé à cette taille-là, le reste du brin qui reste, on va venir le passer dedans, le sortir délicatement, et on va faire comme une petite cordelette qui revient sur elle-même. Ok ? Regarde, ça fait comme une corde, et ça revient à la base. Et après, tout ce qui dépasse, on le coupera plus tard.